Bonjour, Sophie Monneret, coach de vie, médecin, fondatrice de Fistolite. Pourquoi vous ne réussissez pas à perdre du poids de façon durable? Eh bien, il y a une raison extrêmement importante, c'est que vous faites la guerre à votre organisme, à votre corps. Tant que vous serez en guerre avec lui, vous ne pourrez jamais réussir à perdre du poids de façon durable. Il faut bien comprendre quelque chose, votre corps a une intelligence, il est programmé pour quelque chose, il est programmé pour survivre, il est programmé pour que vous soyez en vie. Et il faut comprendre que ça fait des millions d'années que votre corps, que notre corps a génétiquement été programmé pour stocker au cas où il n'y ait pas suffisamment de nourriture à disposition. L'être humain a vécu beaucoup plus la famine et vit encore beaucoup plus la famine dans le monde que l'abondance. Donc notre corps, il n'a pas toujours été habitué dans l'histoire à manger tous les jours, à manger 3, 4, 5 fois par jour. Donc ça, c'est nouveau pour notre organisme. Et donc notre organisme, il a toujours cette mémoire de survie. Son programme, c'est OK, dès que je reçois de la nourriture, j'ai tendance à stocker au cas où. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Quand vous vous lancez dans un régime restrictif, eh bien, vous infligez la guerre en vous. C'est-à-dire que vous le mettez en stress, votre organisme, parce que tout d'un coup, il n'a plus rien qui arrive, ou pas grand-chose. Donc, il se dit, ouh là là! Et donc, il sonne, hein, l'alarme. Et donc, il ralentit son métabolisme de base, et puis il se met en mode stockage dès qu'il y a la moindre alimentation qui rentre. Et dès que vous reprenez votre alimentation normale, parce qu'en général, vous n'avez pas changé de comportement alimentaire au final, vous avez juste été en restriction pendant un certain temps. Donc votre organisme, il a été en stress, en alerte pendant ce temps-là. Et dès que vous vous remettez à manger normalement, eh bien lui, il ne sait pas ce qui va lui arriver dans les semaines qui viennent. Donc il stocke un maximum. Tant que vous serez en guerre avec votre organisme, vous ne pourrez jamais réussir à perdre du poids de façon durable. Intégrez son intelligence, suivez-le et vous serez alors en mesure de perdre du poids de façon durable. À bientôt.